cloche rythment un peu la vie de la cité et surtout sont un appel permanent, chaque fois qu'il y a des grandes heures, de joie comme de peine, pour dire aux gens, rassemblons-nous, soit pour rendre grâce, soit pour prier tous ensemble. Vas-y, descends. Le grand bourdon Emmanuel va enfin cesser de pleurer. Il va retrouver son compagnon de jeu, qui est le bourdon Marie, à côté. Petit bourdon peut-être, mais enfin il fera quand même 5 tonnes. Et puis, dans la tour nord, il y aura 8 nouvelles cloches. Maintenant, c'est un grand moment de joie parce qu'on sent, on voit, on touche de près, on va entendre bientôt ces nouvelles sonneries qui vont être un ensemble campanaire tout à fait extraordinaire, j'en suis sûr. Parce que j'ai déjà entendu la recomposition informatique du bruit que ça va donner, qui ne sera pas du bruit, qui sera un chant extraordinaire.